Bonjour à tous et à toutes, c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare pour la découverte de la nouvelle map zombie. Il faut jouer en ligne déjà. Et après il faut faire partie privée. Voilà, et configurer la partie, donc la carte. Donc carrière, voilà, donc c'est la nouvelle map du DLC. Ça fait longtemps, je crois que ça fait au moins 2 ou 3 semaines même que c'est sorti maintenant. Rejoindre partie, de toute façon, même si je m'autorisais, il n'y aura personne qui va rejoindre. Alors, il y a eu une intro au début de cette vidéo. Ils ont buté le vieux, en fait. Parce que, alors, franchement, l'histoire du zombie de Advanced Warfare, je n'y connais pas, que dalle, en fait. Parce que je n'y joue jamais. À part pour faire des vidéos. Mais en gros, est-ce qu'on pourrait voir les autres maps? Alors attendez, est-ce qu'on va le voir? Non, moi j'ai pas l'impression. Bon, les chiens liens, on s'en fout un petit peu. Ouais, bon, moi j'ai pas l'impression qu'on pourrait voir. Bon, ok, on s'en fout. En gros, bon, le vieux s'est fait buter par des mecs d'Atlas. Et maintenant, bah c'est un zombie. Voilà, tout simplement. Donc on va lancer. Je crois que j'ai joué déjà cette map, non? Ou alors j'ai dû l'essayer 3 minutes et après j'ai quitté. Manche la plus élevée, ah bah non, y'a rien. Ah oui, d'ailleurs. 6 manches. 7. Plus de cartes. Bizarre, y'a que ça en map. Ah, y'a que dalle en map. Oh là là, c'est quoi ces conneries? Si je fais partie locale. Ok, vas-y, lancer une partie, outbreak. Ah, y'a que 3 maps. Ah mais oui, parce que... Ah, je sais, non, je sais plus, alors, franchement. Alors, oui, le zombie n'était pas au début dans le jeu. Mais c'est venu avec les DLC. Oh, je sais même pas. En même temps, je m'en fous, très clairement. Merde, oh, je me suis encore gouré. Partie privée. Carrière, voilà, bon, moi. Commencer la partie. Bon, je vais essayer de faire un peu plus de 20 minutes hein, si j'arrive. Soit bon, généralement, moi le zombie, avant je joue un peu sérieusement, mais maintenant, plus vite la partie se termine, tant mieux. Des fois, j'ai envie de me dire. Et le problème, c'est que maintenant, je suis plus que le seul dans tous mes amis à jouer encore. À la console en fait carrément, parce que beaucoup sont passés sur PC, d'autres bon carrément arrêté de jouer. Certains ils jouent de temps en temps, donc à peu près comme moi maintenant. Avant je jouais vraiment tout le temps, maintenant c'est presque que pour faire mes vidéos je joue. Et d'autres bah ne jouent plus du tout. Il connaît une bonne blague. Ou alors jouent plus du tout à Call of en fait. Oh. Première fois qu'on a du zombie aéré, j'ai envie de dire. Par contre, quand j'avais commencé, j'étais pas ici. J'étais ailleurs. Ah oui, donc il y a toujours le... Quand on met start, ça arrête la partie. Parce que ça, avant, c'était pas du tout. Joli coup. Ah donc nous on serait... Non attendez, je crois que c'est pas ça en fait. Faut juste que je voie un petit truc avant. Non parce que vous savez, moi, au début j'ai pensé qu'on était la petite cible au milieu. Mais pas du tout, hein. Ça n'a pas l'air d'être ça. Oh qu'est-ce que c'est? D'accord. À la manche une bombe ADN. Oh le truc il sert à rien quoi. Pas fermé. Par contre, la musique est bien. C'est dommage parce que le scénario du zombie est franchement pas mal. Hein. Mais c'est vrai que tout seul c'est vraiment chiant. Et puis jouer en ligne aux zombies, je l'ai pas tué lui. Moi. Bon, bizarre. Je venais pas l'avoir tué. Peut-être qu'il était déjà là. Ah mais oui, c'est des humains.
Ah d'accord. Et je suis caché. Est-ce qu'il va me voir? Est-ce qu'il me voit? Ouais bon, ok, il me voit. Faut pas non plus vous les prendre pour trop pour des cons. Ouais. La manche 2, je sais pas pourquoi. C'est toujours celle que j'ai toujours redouté en fait, parce que il meurt pas en un seul coup de couteau et puis je pars vraiment trop peace and love quoi, c'est no stress. Par contre à partir de la troisième, c'est là où je commence à tirer des balles normalement. Alors attendez, en fait j'ai mon casque qui se barre. Bon au moins ce qui est bien c'est qu'ils mettent la map maintenant, mais le problème c'est qu'on sait pas où on est. À moins qu'on est peut-être en haut. Non plus. Ouais bon en fait très clairement ils nous mettent pas sur la map. Par où est-ce que je vais partir? Il y a ici l'infirmerie. Ok. Ouais, faut... Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, vas-y. Une arme. C'est quoi ça? Un pompe? Ah oui, c'est ce pompe-là. Bon, quand même, faire gaffe qu'il n'y ait pas de zombies derrière. Ah mais c'est un cul-de-sac là. Bon bah vas-y hein. Ah j'avais oublié que ça faisait ça cette arme. Parce que c'est vrai qu'en multi c'est pas forcément efficace en fait. Parce que c'est une très très courte portée cette arme. C'est quoi ça? Décontamination. Ah bah non pas maintenant. Non. L'imprimante 3D, ah bah ça doit être la boîte magique. Par contre, est-ce que des zombies peuvent venir de cette... Bah ouais. Oh merde. Ouais, je vais pas faire de conneries moi. Vas-y, je me barre. J'ai besoin de munitions. Ouais, et d'une meilleure arme, si c'est possible. Oh là il y a une arme, oh mais c'est derrière la porte. Putain c'est quoi cette zone? Vas-y là il y a une arme. On fait une bonne équipe toi et moi. Wouhou. Ah mais j'allais dire ils peuvent pas m'attendre, mais si ils peuvent m'attendre. Par contre j'ai pas d'exosquelette. Ah, le niveau de batterie est faible. Ah, c'est quoi le bonus? Oh merde, non, c'est pas un bonus très... Ah, je me suis encore fourré dans la merde. Même pas 5 minutes. Oh là là. Ok. Bon, on va en refaire une autre. 40 éliminations, d'accord. Alors par contre, les atouts, alors tous ces trucs-là, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne sur Advanced Warfare. Black Ops 1, bon, World at War, bon, ça a été le début du zombie, mais bon, pas très très connu. Bon, Black Ops 1, ça a été le développement ultime des zombies. Black Ops 2, un peu moins, je sais pas, c'était trop scénarisé avec le bus. Mais là, je sais pas en fait. Comme j'ai regardé aucune vidéo, je connais vraiment que dalle sur les atouts. D'ailleurs, je sais même pas où ils sont. Encore au même endroit. Pourquoi ici et maintenant? Ah, là, j'ai la chinoise.
Après, c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit pour commencer une partie, hein, cet endroit-là. C'est vrai. Vous savez quoi, je vais quitter la partie. Et je vais essayer de me mettre dans l'autre endroit où j'étais. Ce sera peut-être mieux. On va quand même pas faire 10 minutes de vidéo. Ouais, les, pareil, les bonnes portes à ouvrir, les chemins à prendre, les armes sur les murs à prendre, pareil. Tout ça, je n'ai absolument aucune idée. C'est un petit peu long les chargements là. Ah bah non, bon, au même endroit, ça sert à rien. Vous imaginez, vous faites une partie de zombies, vous vous suicidez comme ça. Putain, mais c'est de trop con, quoi. Ah bah oui, d'ailleurs, sur Moon, on pouvait se suicider. Ah oui, même, il y avait plein de maps où on pouvait se suicider sur Black Ops 2. Voilà. Oh là là. Ouais, le souci c'est que le mode zombie maintenant a été peut-être trop optimisé pour être joué en équipe à 4 et justement pour faire les secrets. C'est peut-être pour ça que j'aime plus trop le zombie. Bon, ils sont où? Ah, oh, ils sont là. Ah merde. Wow. Je recharge. Ah, quand je vous dis que la manche 2, c'est celle que je redoute tout le temps en fait. Depuis toujours, c'est comme ça. En fait, il n'y a pas d'autre porte à ouvrir que. Ah mais une arme. Oh vas-y. Oh c'est celui-là. Oh je sais même plus ce qu'il fait lui. Il y a une porte là. Bon bah je pourrais rester un peu plus longtemps ici moi. Les grenades. Oh les grenades. Le fail ultime. Ah bah évidemment j'ai pris le x2. Potentiel doublé. Ok. C'est peut-être un piège ça je pense. Oh le x2 qui sert à rien quoi. Ouais, je pense que je vais rester en haut moi. Il y en a partout. Voilà. J'ai intérêt. Bon, plus de balles ici. Oh, munitions infinies.
C'est quoi ces conneries? C'est un bouclier ça? Ah c'est des barres. Oh là c'est excellent. Bon par contre je vais bouger de salle après. Franchement c'est... ouais. Quand je vous dis que franchement je le connais pas ce zombie Par contre ah bah du coup j'ai plus de balles. C'est vous? Allez, vas-y. Bon, bah ça c'est fait. On a réussi. Vas-y, c'est quoi ça? Du crédit. Ok, génial. Je surveille mes munitions. Mais il faut que je me tire par contre là. Des molosses? Oh non. Wouhouhou! Je me suis déjà fait avoir dans une vidéo avant moi. Bon bah finalement je vais rester là. Ça meurt pas en une balle quoi. Ça meurt pas. Pourquoi ça veut pas mourir? Wouhou. Je vais avoir besoin d'une... Ça va m'aider. Voilà, ils sont quand même plus féroces que le qu'au tout début hein, les chiens. Ça s'emmène où? Je sais pas, au hangar, d'accord. Oh, oh, il m'a fait flipper ce mec! Avec son casque jaune, le con, hein. Oh la vache! Quelqu'un d'autre entend ça? Vas-y, je vais prendre cette arme là, je sais pas ce que c'est. Bah en fait, c'est des grenades donc non. Ah non, c'est pas le même. Ouais bon, hein, maintenant on va passer à la mitrailleuse. Par où est-ce qu'il faut passer? On va passer par là. Oh mais c'est quoi ce truc là? Ah bah, de retour ici. Je dois recharger. Putain, ça a pas rechargé. C'est quoi? Va chier. Oh. Mais c'est nul. Ah non, ça n'est pas en fait. Il y en a plus. Et moi, ça me fait quelque chose? Ah bah oui. Bon, la prochaine porte. Une autre bague. La prochaine porte. Où est-elle? Elle est là. Ok. Waouh. Pourquoi il y en a qui courent? Ah, c'est quoi ça? D'accord, j'ai fait un circuit là, je pense. C'était quoi ce drone? Waouh!
Ah, c'est des exo-zombies ceux-là. Oh, des armes. Des munitions. Faut que je surveille mes munitions. Vas-y, recharge bien. Ouais, chargez un bloc. Plein de munitions. Oh bah vas-y hein. ADN. C'était le dernier. Ok, donc là j'ai retourné à la salle principale. Oh, franchement c'est bien quand on y joue à fond, enfin quand on s'y prend au sérieux je veux dire. Merde, les voilà. Par contre du coup maintenant je sais pas où me placer exactement. Par contre, jamais dans des escaliers, toujours dans des salles. Je recharge. Voilà. C'est quoi ? Des grenades ? Encore gagné. Allez, je vais rester un petit peu ici. Je vais prendre ça maintenant. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une. Oh bah mince. Ah ouais, non, franchement, j'avais fait n'importe quoi là. Bon bah, manche 8. Ah oui, j'ai cru que c'était manche 10. Non, ça fait 10 minutes. Ok, bon. Bon, tant pis, j'avais plutôt bien commencé, mais c'est dommage. Bon, ça reste du zombie, comme on le connaît à peu près tous. Hein, le système, c'est pas non plus... Putain, c'est quoi cette arme? Mais enfin bon, voilà, c'est une map sympathique, un peu comme toutes les maps. Après évidemment c'est mieux d'être joué à plusieurs. Sinon voilà, donc j'espère que cette découverte de la map, je sais plus comment ça s'appelle déjà. C'est la... Quelle carte carrière, voilà. La map carrière. Et donc bah voilà, donc je vais retourner au menu, donc je suis... Non. Voilà. Ok, c'est bon. Donc bon bah j'espère que cette découverte de la map carrière vous aura plu. Et bah moi je vous laisse là, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Donc je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.